Nous saluons tout le monde qui branche dans pressionnant Jésus qui sauve nous. Nous arrivons à un moment côté que pour nous capables prier. Nous mettons-nous à genoux et nous mettons-nous à genoux et nous faisons prier ça. Papa, nous qui sommes dans ce là, nous disons merci pour ce fait pour nous, ce continuer fait pour nous. Nous disons merci. Au moment de prière ça nous sentons nous nous réjouir nous sentons nous contents nous arriver dans vendredi 6e jour dans 7 jours avec Dieu 7e jour tomber dans sabbat oh Seigneur nous voilà bon gloire nous voilà adorer au nom temps pour papa nous dit merci merci pour demi journée de jeûne ça au te permet que nous passer en bien n'a pas demandé autant prier pour reste journée pour nous n'a demandé pour capable assister nous n'a demandé pour au capable couvrir nous en bas manteau de grâce autant pour papa. Merci pour ce fait, soit continuer faire pour nous. Nous va prier en qualité de bon leading mais nous prions au nom de Jésus qui vit maintenant et au siècle des siècles. Amen. Evan. Non, apé. La bébête. Evan gen on ti konvenye tout petit gen teacher ti moun yo ki yon nan yo ki. OK, d'accord. Non apé continue ensemble avec programme de prière nous. N'a pé chanter. N'a pé chanter nan numéro 274, numéro 274. Dans l'hymne et louange. On va mettre les sous écran pour cap mon capable aller. Source féconde, salut du monde, le sang du Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joie, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Tu, Christ, la fête est toujours prête. Le festin de noces pour nous, entrée sans crainte de la voix sainte, écoutez l'appel si doux. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi, sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. La paix lit ensemble, psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet. Au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Nous avons fait une prière, une prière secrète. Nous allons parler ensemble avec papa, non? Et nous avons demandé pour qu'il soit capable d'aider nous pour nous rester calmes, pour nous avoir confiance dans lui et pour nous rester calmes. Parce que nous connaissons, il n'a qu'à, il prend tout problème mieux que nous présenter. Et même ça que nous peut-être nous oublier, nous pas mentionner, il est en train de tout. On a fait faire prière secret lorsque nous avons fait donner un chant. Seigneur éternel, papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous venons en présence encore l'autre fois avec un cœur rempli de joie pour que nous soyons capables de venir parler avec vous et tendre ou même de parler avec nous. Papa, nous disons merci pour le moment de prière.
Parce que le moment de prière, ça a aidé nous à venir plus proche ensemble avec vous. Et lorsque nous sommes dans le moment de prière, ça a nous joignons une force spirituelle pour que quelque bagaille que normalement nous ne doit pas avoir une force devant vous, nous camper. Seigneur, nous disons merci. Nous demandons au Papa, t'en prie, aidez-nous pour que nous soyons toujours été attachés. Jésus t'a été attaché. Jésus t'a toujours prié. Aidez-nous pour nous-mêmes, pour nous faire ça. Nous demandons pour capable avec nous pendant le reste du moment, prière. Et tant que nous en préparation sabbat, nous demandons pour que tout ça nous fait pour nous faire, pour nous être fait, pour nous capable glorifier. Papa, couvre-nous en bas manteau de grâce. Purifiez-nous, nettoyez-nous, changez-nous. Merci pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous va prier en qualité de bon et digne. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ sauveur nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. Amen. Méditation aujourd'hui, on l'y trouvé dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Et nous appelons Lili. On l'y gagne 25 versets, on a fini tout et puis on a parlé sur lui. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi de Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Horer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent à Galaad et dans le pays de Tchachim, Rodchi. Ils allèrent à Dan, à Jaan et au environ de Sibon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un. Et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, L'Éternel se repentit de ce mal
Et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. Voyant David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices, qu'il lui paiera. Vois les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donne le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Ça, c'est yon nan lecture que dans 7 jours, yon nous toujours bien. Et lecture ça, moi remè yon parti la dani. Alors moi mais toute partie oui mais grande partie là dedans que moi mais en pile qui attire l'attention moi. Pour histoire c'est que David fait un bagage que il pas doit faire. Mais non vraiment Israël là, il pas doit faire dans leur temps pour chaque bagage. Et c'est bon Dieu tout qui compte bail ordre pour le bagage ça au fait. Mais voilà qu'on a là David fait Améo, Joab et chef Améo et tout le monde qui est Améo. Entrer dans yon corvée, dans yon travail que qui pas besoin fait. Et puis voilà qu'on y a là les travaillant 39 mois et 20 jours et après ça, Joab vini pour l'expliquer David mais combien moun mais résultat dénombrement. Et voilà qu'on y a là David réalisé que li péché. Il réalisé que li péché. Qu'on y a là, bon Dieu lui-même, ou qu'on est là, nous font bail. Bon Dieu, quand vous voyez le monde, il va parler ensemble avec nous. Dis mon bagage, mais telle chose, le monde doit parler ensemble avec nous, non façon nous-mêmes, nous devons comprendre. Mais le monde lui-même, peut-être pas, il ne doit pas comprendre. Mais bon Dieu, toujours voyez un message pour nous, les colis, que nous sommes chemin qui pas bon. Mais en pile fois, nous, quand nous fermons les oreilles, nous ne nous pas attendre des messages. Et puis qu'on a là les gros malheurs arrivés et puis nous penser le ça qu'on a nous et le ça nous réaliser waouh on va devoir faire telle chose. David lui-même il connaît pour pas de faire travail corvée ça il connaît pour pas faire corvée ça il connaît pour que il pas de faire dénombrement en entendant ça mais il était fait lui et il connaît que il était péché et le Gad vient lui expliquer lui ah parce que bon Dieu parlait à Gad il dit allez côté David dit David pour péché que les péchants l'a choisi dans toi punition ça yo l'a choisi yon et dans toi punition yo en frère ensemble avec chem yo n'a pas retourner encore dans toi punition yo yon là dedans yo c'est côté que David a obligé prendre la fuite. OK OK yon verset 13 a bien 7 années de famine dans le pays. Ça, c'est un choix. Deuxième choix, pour David, il prend la fuite pendant 3 mois côté ennemi, abdéel.
Troisième choix, a bien 3 jours de maladie dans le pays. Mes amis, David, ouais, tout 3 choix, ça, yo, c'est gros cause que yo y est. C'est parti bagay. Maladie, 3 jours capable de tuer un pile monde. Et nous parlons de ça plus devant que, vraiment vrai, pour aller 70 000 monde qui mourit. Hein? Et puis, quand David dit, bon, on nous tombe entre les mains de Dieu. Parce que même le papa, il a bat nos bâtons, même le peuple, il a puni nous, mais compassion, la bonté, il est vraiment grand. En nous tomber dans mes papa, nous pas tomber dans mes les hommes, parce que bon Dieu a une grande compassion. Et puis, vraiment, vrai, c'est ça que Gad a dit bon Dieu. Et qu'on y a là, bon Dieu lui-même, il choisit qui punition pour le bas David. Et punition que l'ité ba David, c'est que c'est 3 jours de maladie. Mais ça qui toujours attire attention dans ça, qui est-ce qui péché? David. Mais qui est-ce qui mourit? 70 000 hommes, peuple qui mourit. David pas mourir, petit li pas mourir, même quand que nous connaissons il va passer. Non, famille David. Mais David pas mouri, madame n'y a pas mouri, petite n'y pas mouri. Mais c'est lui qui péché. Voilà, c'est l'autre moun yo qui mouri. Depuis Dan jusqu'à Beersheba, des 70 000 hommes qui mouri. Donc, voilà, kounya la, zanjan kounya li vini, pour vini Jérusalem. Et puis, David getan oué. Zanjlan qui levait mel pour frapper Jérusalem avec maladie. David dit non. Qui ça moun sa yo fait? Yo pas fait rien, c'est moi même qui péché. C'est moi même qui péché, moi qui fait ça que qui fait qui fait ça qui pas de faire. Entre parenthèses, ou elle on dans l'église et puis ou est dirigeant yo, a fait un paquet de bonne bail qui mal ou même c'est faire attention. Fais attention sous d'accord ensemble avec façon que agir. Les têtes là font bagay ki mal, dit que va la caillou tout oui. Les têtes là qui font bagay ki mal, ou d'accord, ou pas dit rien. Ou aller ensemble avec ça qui dit hein, ou ka joindre un coup de bâton dans mais l'Éternel pour ça. C'est toujours camper pour la vérité. En dépit de toute chose, toujours camper pour la vérité. Donc voilà qu'on a vraiment vrai bon Dieu. Il n'a pas quitté que Zanjan détruit Jérusalem. Peut-être si ça est arrivé jusqu'à Jérusalem, peut-être David est mort, peut-être petit est mort. Nous pas connaître. L'histoire n'a pas dit nous et nous pas connaître. Mais qu'on y a là, bon Dieu dit à David, mais ça qu'on va le faire, mais qui va t'offrir aller, on va offrir un sacrifice. On va l'offrir en holocauste. Et puis vraiment vrai David y aller côté que bon Dieu te voit là. Et là que Aravna li wè David li vini posterner content li dit que n'a dit oh mon roi qui ça qui fait venir bon serviteur garde une façon de parler bon humilité nan parole ça combien monde si on frère on sœur vin well combien nan nou kap vini kap dit oh frère sœur qui ça qui fait venir bon côté bon côté servante qui ça fait venir votre serviteur. Et voilà qu'on a David dit-lui, mais raison qui fait que moi vini, mais ça qui fait que moi vini là, mais ça que j'ai besoin. Ah, on a dit, oh, bien, mais prends, pas de problème, offre sacrifice, pas de problème, prends tout ça qu'on a besoin, pour capable en faire holocauste. Et David dit, non, m'a acheté. Parce que moi, pas offri à l'Éternel, mon Dieu, bon bagay qui pas coûté en rien. Frère, ensemble avec Chabi, je songe l'air que moi li, en partie ça te rete dans tête moi, pour ne pas offrir bon Dieu, bagay qui pas coûté en rien, comme si yon sacrifice quelqu'un. Même dans prière, des fois, pour nous prier, moi, y tende, bah, sérieux, t'as pour. C'est tellement son bac que moi raï attendez le monde dit oh, bon on connaît pas gain temps là nous fait prière en offrande du matériau nous attendons que tout le monde fin lever
Et puis c'est là ça nous fait prier en langue. Et puis le soir, c'est là tout le monde rentré. Et puis, on a là, c'est là ça nous tout nous chita pour nous faire offrande du soir. On va remettre en débarrasse ça. Qui veut dire que c'est là bon pour vous pour choisir à l'école bon Dieu. Alors que offrande du matin, bon, leur fixe pour ça. Même Jean-Jésus était quand levé bien avant que les jours pour prier. Nous même tout nous devons lever bien avant que les jours pour que nous capables prier. Et puis donc il fait quand pile fois nous offrir bon Dieu bagay mais que les bon pour nous laisse ça bon pour nous en 7 jours avec Dieu qu'elle pas capable mes amis 7 jours dans 7 jours ça là pour me pas manger ceci pour me pas manger cela oh trop ou pas faire sacrifice là et sous tes connais gros coquin chaîne bénédiction. Ou t'as recevoir l'offre 7 juin, bah sérieux, ou t'as fait une année avec Dieu. Oh, ça son idée. Mm-hmm. Ça son idée. Peut-être on ou pas j'en connais. Peut-être. Ou t'as fait pour une année. si bon Dieu permet. Donc, ou fait une année avec Dieu. Ou t'as imaginé, si vous faites une année, j'en fais 7 juin avec Dieu, ou fait une année avec Dieu, et aucune qui puissance, qui pouvoir la bien, ou fait vraiment avec toute sincérité cœur avec tout cœur alors m'a dit on mon a fait là parce que connais ça m'a dit un petit sacrifice mais 7 jours pour capable sacrifier 7 jours pour capable sacrifier un jour pour capable sacrifier un jour à l'adorer bon Dieu 24 heures de temps jour li parlant pour capable faire sacrifice ça parce que c'est jour bon Dieu que lié en tout cas mais c'est le ballon bon pour nous, c'est le ça nous voulons faire. Non, c'est pas comme ça, l'idée. David, depuis le moment où ça, ça t'a attiré l'attention. Non seulement leur prière mieux, ça a aidé pour que pour me lever dans leur lieu. Même le temps, il était douce dans Dieu, me lever, prier. Offrande du soir, lever, prier. Midi, prier midi, prier. Donc, ça a aidé ma connaître tout. Et de bagaille, les wafé yon offrande d'action de grâce. Les doit coûter un bagage, il pas qu'un bagage elle bon pour vous, ou bien un bagage gratuit, faut coûter un bagage. Et puis là moi lis ça, ça tout était dans tête moi. M'pas dit que pour un monde d'accord avec moi non, mais c'est selon ça me lien, il juste tout était dans tête moi. Donc il fait moi avec vous, nous fait 7 jours sacrifice. 30 jours sacrifice plus 7 jours sacrifice. Pour monde qui était là dans premier 7 ans qui veut vous faire un 7 jours sacrifice. Yon 30 jours sacrifice et yon 7 jours sacrifice. Nous pensons bon Dieu va prendre notre ça, mais gardez pour nous ouais. Et donc qu'on a David lui offrit un holocauste, lui offrit yon en action de grâce et puis bon Dieu lui-même l'était pas te quitter l'était retiré maladie fléau qui était tombé l'était retiré. Et voilà frère ensemble avec Chamio. Est-ce que ça c'est pas yon petit ça comment t'as dit yon petit poule pour moi même ensemble avec vous ben de série de bagages qui passent dans caille nous qui paraît tant que son fléau que yo y est cap tomber dans caille là et bien offrir bon Dieu un moment passe un moment ensemble avec lui et puis offrir une offrande d'action de grâce ou après 7 jours ça que nous passer hein c'est bagage moi ensemble avec vous alors pour du vérité moi gien pour faire li et gien deux autres surtout qui gien pour faire mais c'est baga que nous tout nous ta doit offrir bon Dieu yon offrande d'action de grâce li fait nous passer 30 jours dans présence li fait passer 7 jours dans présence li yon offrande d'action de grâce pour nous remercier li dit li merci pour moment de prière ça donc frère ensemble avec chemin c'est là que nous a permetté fait n'a chanter juste yon strophe dans nu non, numéro 605 et puis n'a pas mettez nous à genoux pour que nous capable prier. On pas oublier faire tout ça nous gain pour nous faire pour que nous capable rentrer dans sabbat à l'heure. Oui, l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Loué, le constamment. Loué, le juste dans les yeux. Saint, l'Éternel des armées, que
toute la terre est pleine de sa gloire. Éternel, roi des rois, créateur ciel là et terre là, papa nous qui en haut dans ciel là, nous disons merci infiniment. Encore l'autre fois, ou ba nous opportunité pour que nous capables venir dans présence. Merci Seigneur parce que vous montrez nous pour nous rester calme, pour nous poser nos problèmes et difficultés, nous qui parler avec vous, pour nous poser nous. Mettez garder ou même pas combattre pour nous, nous-mêmes, garder silence. Exode 14, verset 14. Seigneur, pour nous connaître, bataille, ça, c'est pas pour nous. Nous-mêmes, garder silence et puis nous avons gloire. Papa, nous croyons, nous avons confiance que tout ça que nous demandons, depuis nous pas douter, selon la parole de Jésus-Christ prononcée, depuis nous pas douter et nous connaissons que nous déjà recevons, nous avons accompli. Et nous croyons dans la parole. Nous croyons que la parole ça qui écrit à travers la Bible, c'est la parole que ou inspiré petit ou écrit. Et nous connaissons tout en l'esprit de prophétie, c'est ou même qui t'est inspiré petit fille, sister Ellen G. White, pour que l'était capable d'écrire. Donc nous croyons dans la parole ça parce que yo vini de ou même. Donc papa qui fait que nous croyons que nous déjà recevoir tout ça que nous demandons et que nous a glorifié nos façons qui sont tellement grand nous promettent moins promettre pour que nous capable témoigner ça que vous faites pour moi et nous espérer que nous toutes qui là nous capable promettre pour nous témoigner ça bon Dieu fait pour nous bon Dieu pas besoin cobre il pas besoin l'âge il pas besoin diamant il pas besoin bail ça non mais nous mes témoignages sont bagages qui a montré qui bon Dieu que nous avons servi, hein, qui est capable d'aider l'autre monde faire même expérience ensemble avec nous. Papa, nous allons descendre ligne. Nous demandons que Père et grâce soit capable d'accompagner nous et que le sang de Jésus-Christ capable de couvrir nous avec tout corps à nous. Nous allons prier en qualité de bon idée, mais nous prions en nom de Jésus-Christ sauveur nous. À lui-même gloire, honneur, louange, exaltation pour toute l'éternité. Amen. 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 On va aller terminer dans la façon que nous habitués à faire ça. On va mettre sur mute. On va mettre voix ensemble avec voix femme. On va dire ensemble, mon âme. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Nous sommes des amis. Mais lui-même, il pas fait demi-journée de jeûne. Lui-même, depuis hier, il a jeûné pour arriver juste en si tu veux, sans arrêter. Il veut dire, Jean que Esther qui fait jeûne maintenant, c'est comme ça que Jean-Christine, il a fait maintenant. Donc, on a demandé pour que nous puissions prier pour lui, pour bon Dieu capable de faire force, pour que lui capable de faire moment ça. Et m'a demandé nous tous pour nous prier pour moi pour que bon Dieu permet parce que son bail que moi je vais faire pour que bon Dieu capable aider me faire tout. Donc priez pour sœur Christine parce que pour que les capable terminer ensemble avec moment de jeûne ça. Que bon Dieu bénisse nous, n'a rejoigne nous encore à 3 heures. Bye bye. Bye, merci. Amen.